Salut, c'est Fête à l'ordi et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Metroid. Et donc, après ce let's play de Metroid Prime, je me suis dit autant commencer, continuer avec un Metroid 2D cette fois. Et donc, comme Metroid Zero Mission, c'est le remake du tout premier Metroid, je me suis dit on va commencer par lui. Hein, Alors ce sera Let's Play Walkthrough, je vais essayer de le finir au maximum de pourcentage que je peux. Je l'avais déjà fini plusieurs fois à 100%, assez rapidement, mais comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, je suis pas sûr de le finir à 100%, voilà. Donc là, vous avez une petite cinématique d'intro. Ça nous raconte que Samus a été envoyée sur la planète Zebes pour tuer les Metroïdes, qui sont des formes de vie dangereuses. Et donc Mother Brain, le chef des pirates de l'espace, qui essaye de les contrôler pour en faire des armes biologiques. Et donc c'est pour ça que nous sommes envoyés ici, pour en même temps tuer Mother Brain et les Metroids, voilà. Pour ceux qui connaissent pas Metroid. Et voilà, de toute façon, si vous connaissez pas Metroid, vous avez qu'à regarder mon Let's Play de Metroid Prime, je dis déjà pas mal de choses dessus. Alors, je sais pas, donc là je suis sur émulateur, sur ma Wii. Là, on peut pas changer grand-chose dans les options. Alors, je vais jouer avec la manette de GameCube. Je me déplace avec la croix. Je saute avec A, je tire avec B. Missile avec R et je crois que c'est tout. Ouais, ça doit être ça. Pour changer de missile, je crois que c'est Select, donc c'est Y et X. Là, on peut pas changer la difficulté, mais quand on finira le jeu une première fois, on pourra choisir de le finir en mode difficile. Voilà, c'est parti. Ah, si, j'ai rien dit. Facile ou normal, on va laisser en normal quand même. Peut-être monter un peu le son. La planète Zebes. C'est ici que je vivais autrefois, avant la guerre, bien avant que le mal ne hante les cavernes du dessous. C'est ici que j'ai livré ma première bataille, ma mission zéro. Samus Aran. En fait, je crois que c'est sa première mission en tant que chasseuse de primes. C'est pour ça. Avant, elle travaillait pour la Fédération Galactique, comme on voit dans Overm. Allez, c'est parti. Ok. Ah, on peut pas tirer en diagonale. Ah, d'accord. Pour tirer en diagonale, c'est avec la gâchette L. J'avais oublié que c'était comme ça. C'est pas le même gameplay que dans Super Metroid. Vu que là, l'autre gâchette sert à activer les missiles. Donc là, on vient de récupérer la boule Morphing. Hein. C'est le grand classique dans les Metroid. En 2D. Dès le début, on la récupère. Ah, bien joué, tu m'as eu. Petit Pixar. Allez! Et donc là, on a tout au long du jeu, on va croiser des sortes de statues Chozo qui vont nous indiquer là où il faut aller, tout simplement. Bon, sachant que Metroid est quand même un jeu d'exploration, ça gâche un petit peu le plaisir du jeu. Hein. Surtout que la map est pas très grande, enfin par rapport aux autres. Alors là, je crois qu'on vient ici pour récupérer le rayon
le rayon long, parce que là vous voyez que j'atteins même pas le mur, donc c'est pas pratique. Voilà, rayon long. Maintenant on va pouvoir tirer à une distance infinie. Appuyez sur L plus B. Ah oui, d'accord, pour tirer en diagonale, j'avais pas lu. Oui, donc vous voyez que les statues, encore une fois, elles ont leurs mains tendues vers le ciel, donc si on se met en boule dedans comme j'ai fait tout à l'heure, ça nous permettra de nous soigner. Bon, ça, on n'en a pas vraiment besoin, mais c'est toujours... ça nous assure d'avoir des trucs pour soigner régulièrement, donc c'est pas mal. Alors là, ben on ne peut pas y accéder tout de suite. Vous voyez qu'il y a deux têtes, en fait ce sont les boss. Donc Cred, là où je suis, et Ridley. Le Ridley qu'on connaît bien. Et donc, il va falloir les tuer pour pouvoir passer. Donc ici, on y reviendra à la fin du jeu. Enfin, à la fin du jeu, oui. Un petit monstre un peu plus résistant, mais bon, c'est le début du jeu, donc ils vont pas nous tuer quand même. Un petit coup de GPS. Bon, on n'est pas obligé de les activer pour pouvoir finir le jeu, hein, mais là je le fais, on va dire, de manière conventionnelle, comme le ferait un joueur débutant. Là, vous voyez déjà ici, on peut passer là, donc si j'avais voulu, j'aurais pu y aller dès le début. On va quand même ouvrir ce passage au cas où. L'inconvénient des Metroid sur Game Boy Advance, c'est que ils ne peuvent pas courir comme sur Super Metroid, donc on n'a pas cette sensation d'accélération. C'est un peu dommage. Eh bien, on récupère les premiers missiles. Ah zut! Ouais, mais je fais comment là? Je peux pas. Ah zut! Moi j'ai gaspillé tous mes missiles là parce que j'avais vu dans un task qu'il pouvait le tuer en un coup grâce à ça, mais je me suis un peu raté. Et lui on peut le tuer qu'avec des missiles en fait. Donc bah, c'est pas grave, on le reverra tout à l'heure. C'est une sorte de mini-boss qui nous donne le rayon de charge. Donc n'importe quoi. Eh mais crève toi. Ah, je crois qu'on peut pas wall jumper comme dans Super Metroid. Ah si, c'est bon. Je crois qu'on peut le faire qu'une fois par contre. Je sais plus. Il me semble que c'est un truc comme ça. Ah oui, mais évidemment, si j'ai plus de missiles, je peux pas ouvrir la porte maintenant. Comment je vais faire? Ils veulent pas me donner de missiles. Ah, voilà. Alors là, vous voyez qu'il y a deux petites bébêtes qui sont montées sur moi. C'est des sortes de scarabées, je sais pas. Et en fait, ça va nous permettre de passer des fois. C'est des sortes de vermines qui bouffent des trucs. Enfin, vous verrez ça. Ah zut. Je me fais attaquer par les mouches. Faudrait pas que je meure dès le début quand même, ce serait idiot.
Allez. Oui, alors je sais que pour débuter les Metroid 2D, j'aurais pu commencer par le Metroid sur NES. Mais je l'ai pas fait parce que déjà j'ai pas été fichu de le finir tout seul, alors imaginez en vidéo, ça aurait été catastrophique. Voilà. Aïe. Ok, je fais n'importe quoi là. Voilà. Un petit peu de vie. Et le rayon de charge, enfin. Voilà. Et donc avec le rayon de charge, on a accès à une sorte de bouclier en fait. Lorsqu'on charge et qu'on fait un saut en vrille comme ça. Ça nous permet d'avoir une sorte de champ de force autour de nous et ça tue les ennemis que l'on touche, enfin du moins ça leur inflige des dégâts. Donc là vu que ce sont des ennemis faibles, évidemment ça les tue en un coup. Ah, je me fais avoir à chaque fois là. Là on peut aller ici, c'est la carte de Brinstar. Brinstar qui est la première zone de Zebes que l'on va visiter. Alors voilà. Je sais pas si je peux sauter de là. Ah non. Ah mais ça m'énerve ça, les sauts sont pas très précis. Alors ça c'est quelque chose que je déteste dans les jeux, surtout dans les jeux de plateforme, les collisions qui nous font qui nous éjectent. C'est à chaque fois c'est souvent à cause de ça qu'on meurt. Et on récupère les bombes pour la boule morphing. Oups. Eh bien. Alors là vous voyez que les portes sont bloquées, donc il faut détruire ça. Et donc on nous apprend que les petits scarabées, on peut les tuer à coups de bombe. Et donc c'est important parce que je sais pas si vous avez vu, mais lorsqu'il y en a un grand nombre sur nous, en fait ils nous infligent des dégâts. Donc on peut se faire bouffer assez rapidement. Donc c'est important de savoir comment les tuer. Bon là c'est une sauvegarde, on va pas y aller. Pas tout de suite, donc là il faut qu'on revienne, faut qu'on reparte. Allez, vas-y. Je fais n'importe quoi là. Là, vous voyez, je l'ai tué. Alors là, je pense que oui, on peut aller là. Une statue encore. Je pense qu'elle va nous dire d'aller à Norfair, ouais.
Non. Ah oui, quand même. Là, je sais plus si on peut y aller. Parce que là, il y a une réserve, mais... Non, je pourrais pas l'atteindre maintenant. Alors, est-ce qu'on peut monter, je sais plus. Là, nous avons une porte. Mais je peux pas sauter là? C'est bizarre. Ah non. Apparemment on peut pas. Alors ici. Non, c'est. Je sais que c'est là, ouais, mais on peut pas y aller tout de suite. Là nous avons une sauvegarde. Et ici. Non, ça continue. Bon, mais tant que ça continue, on continue. Une réserve de missiles, c'est toujours ça de prix. Alors là, je crois qu'on va être bloqué après, hein, donc c'est pas la peine qu'on y aille. On va en profiter pour sauvegarder, hein, parce que si j'étais mort, en fait, on aurait dû recommencer à la dernière sauvegarde. Et vu que je n'en avais pas fait, on devait tout recommencer. Hein, donc, ça m'était déjà arrivé lors d'une de mes runs. Donc, faut faire gaffe quand même. Sauvegarder assez régulièrement. Bon, surtout au début du jeu, vu qu'on n'a pas beaucoup de vie, mais après ça va aller. On ne peut pas aller là, ben on va aller directement à Norfair. Hein. Hop. Alors aussi, oui, lorsqu'on charge et qu'on se met en boule, ça fait un espèce de tir comme ça, mais... J'en ai jamais trouvé l'utilité. Alors, on a tous reconnu Motherbrain. Et donc oui c'est pas mal ça le jeu a des cinématiques régulièrement donc ça permet d'illustrer un petit peu ce qui se passe parce que c'est vrai que Metroid c'est un jeu muet donc c'est vrai que pour comprendre des fois c'est enfin c'est toujours un scénario très basique hein, mais c'est vrai que et c'est bien qu'il puisse trouver un moyen d'expression rien qu'avec des images et de la musique. Alors là on arrive à Crateria, une autre zone du jeu qui est pas très grande. Hein. Allez, ça commence bien.
là, vous voyez des espèces de cubes avec un symbole. Et donc, regarde ce qui va se passer quand je vais prendre cet item. Donc, objet inconnu. Et donc, il est inadapté à ma combinaison pour le moment. Mais en l'ayant pris, je vais pouvoir détruire tous ces cubes-là. Donc, ça va me permettre de pouvoir passer. J'en profite pour récupérer une petite réserve. Et donc, on découvrira quelle est la nature de cet item à la fin du jeu. Alors là, on arrive dans une espèce de temple. Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est que Zebes, je crois que c'est la planète d'origine des Chozo. Hein. Enfin, je suis pas sûr que ce soit la planète d'origine, mais c'était une planète très importante pour eux. Donc c'est pour ça que on voit... Mais on voit beaucoup de traces de leur civilisation. Ah mais si, on peut walljumper. Et donc là, je viens de récupérer un objet qui me permet de m'accrocher au mur comme ça. C'est assez pratique. Je sais que dans les tasses, les mecs ils remontent le mur en wall jump comme ça, mais moi je peux pas, je sais pas faire. Donc là, on va être obligé de faire à la manière un peu longue, mais ça marche. Et donc là, si on revient par là, vous voyez que nous avons retrouvé notre vaisseau. Donc il peut nous servir à nous redonner toute notre vie, tous nos missiles et nous permettre de sauvegarder évidemment. Là, vous voyez sur la map, on a fait une boucle et donc on va redescendre à Norfair maintenant. Là, c'est une petite cachette pour trouver des missiles. Ah, j'aurais mieux fait de charger mon tir. Faut le faire dès qu'on peut, parce que il suffit qu'on perde quelques points de vie comme ça. J'adore cette musique, il y a vraiment une atmosphère particulière qui s'en dégage. C'est tous des remixes de la NES. Hein. Même si c'est vrai que ceux de la NES déjà étaient géniaux, mais là il y a un petit côté orchestral, c'est pas mal. De toute façon, Metroid Zero Mission, c'est le tout dernier Metroid 2D qui est sorti, donc c'est normal que ce soit qu'il fasse partie des meilleurs. Donc j'espère qu'il y aura un prochain Metroid. Moi je le préférais sur 3DS, histoire que je puisse y jouer quand je veux sur ma portable. Mais si sort sur Wii U, j'achèterai la Wii U et puis voilà. Et là on passe dans la lave parce qu'on est des fous.
Alors là, vous voyez qu'il y a une plateforme en haut, on peut pas l'atteindre, il y a une espèce de truc bizarre en dessous, une bestiole. Donc il faudra s'en servir en fait pour monter. Je sais plus si c'est par là qu'il faut aller, je sais qu'il y a une porte au-dessus. Je ne me souviens plus, il y a l'autre qui me fait tomber deux fois d'affilée là. Ah non, là c'est une zone brûlante. Vous voyez sur la minimap, c'est en orange, donc ça veut dire qu'il nous faut la combinaison Varia. Donc c'était bien ici. Ouf, heureusement que j'avais le truc là. Allez, mais. Là, vous voyez, porte verte, on peut pas faire demi-tour, il nous faut le super missile. Et là, on récupère le rayon de glace, donc qui nous permet de geler la plupart des ennemis. J'en profite pour récupérer de la vie parce que j'en ai plus beaucoup. Vous voyez, on peut s'en servir comme plateforme, après c'est bien pratique. Alors ici, je sais plus ce que c'est. Une sauvegarde, ok. Non, c'est pas la peine. Voilà, en fait, il faut s'en servir comme ça. Alors, où doit-on aller? Nous devons remonter à Brinstar. Oui, pour aller chercher, je suppose. Ah, pour aller à Cred, oui. C'est vrai que j'y suis pas allé tout à l'heure, j'avais oublié. Oui, il vaut mieux y aller maintenant. Enfin, je veux dire, un peu plus tard, comme ça, on a le temps de récupérer des upgrades. Ah, mais je fais n'importe quoi, là. Non, je sais que ça allait pas le faire, là. Trop loin. Là. Petite réserve de missiles cachée, faut le savoir. Et donc là, nous revenons juste au-dessus de là où on était. Donc on redescend. Là vous voyez, on va faire exploser ça. Non, zut. Faut qu'elle saute plus haut que ça, la pauvre. Voilà. Pour un missile. Ah zut. J'avais même pas vu le truc en dessous, j'étais en train de regarder au-dessus. Je me disais mais pourquoi Samus elle avance pas là? On sauvegardera quand on sera dans l'autre zone. Allez, saute. Comment je fais là? Mais oui, comme ça.
là, au niveau de quand on va s'arrêter, je pense que je vais faire une pause à peu près toutes les demi-heures. Donc là, on est à ouais, tout pile 31 minutes. Donc dès qu'on sera arrivé dans la zone de crate, je vais sauvegarder et je vais faire une petite pause. Voilà. Je pense qu'une demi-heure c'est pas mal parce que dans mon let's play de Prime, eh bien j'avais le. Dans mon let's play de Prime, c'est vrai que j'essayais de faire plus vers 1 minute, mais à chaque fois je débordais. Donc je pense que 30 minutes ça va être plus correct comme temps. Ah, je crois que je peux aller là-haut. Vu que j'ai le rayon de glace. Là voilà. Alors non mais je fais n'importe quoi là. Là voilà. Une réserve de missiles ici. On arrive là. Ah non, je cherchais quelque chose, mais je crois que je me suis trompé d'étage. Non, c'est là. Non, c'est pas là. Mais c'est où? Ah d'accord, c'était là, évidemment. Jamais au bon endroit. Récupérer une petite réserve de missiles, mais il faudra qu'on y revienne par la suite si on veut si on veut les 100%, donc faut qu'on garde ça en mémoire. Oui, je suis bête, il y avait autre chose aussi. Allez. Vous voyez qu'il y a pas mal de passages secrets quand même hein, dans ce jeu. Je crois que c'est celui qui en a le plus. Enfin, je suis pas sûr. C'est vrai que Metroid Fusion en a beaucoup aussi. Et là, vous voyez qu'il y a un super missile, mais on peut pas l'avoir. Il nous faut le Speed Booster. D'abord récupérer la réserve, comme ça m'en fera plus pour le boss. Là, vous voyez des espèces de trucs comme ça, et lorsqu'on tire dedans en boule, ça nous propulse, c'est pas mal. Et voilà, ça fait 5 missiles de plus, ce qui n'est pas négligeable. Et là, voilà un remix du très connu thème de Ridley, enfin le thème de, je crois que c'est Crane's Lair, vraiment pas mal. Enfin, même si moi je préfère quand même la version sur NES. Hein. Mais bon, attendez, on va juste récupérer ça parce que je risque d'oublier après. Là, il y a carrément des passages secrets dans les sauvegardes, dans les salles de sauvegarde. C'est vraiment des fourbes les développeurs. Enfin, c'est ça qui fait tout le charme de ce jeu.
Et voilà, on va pouvoir sauvegarder tranquillement. Donc j'espère que vous trouverez ça intéressant. Et donc je vous dis salut et à la prochaine pour la suite de ce walkthrough de Metroid Zero Mission. Salut !